de nouveau comme la semaine dernière, vous intervenez assez rapidement après l'intonation. Hein. Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Et directement, si vous voulez bien continuer, qui donc emplit la coupe où nous, etc. Alors, le Gloria, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. On essaye. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Et puis il y a un dialogue entre le soliste et la chorale, et ça se termine par gloire à Dieu dans le ciel, et qui est répété alors par vous. Voilà. Alors au verso, l'antienne du psaume. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. On va le reprendre une fois a cappella. Donc c'est une demande, hein. Ça ne peut pas être chanté de manière trop molle. Hein. Seigneur, à mon aide. Mon secours et mon sauveur. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Alors à la communion, nous ne chanterons pas le chant qui est imprimé là. Nous prendrons, nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre. C'est un chant que tout le monde connaît depuis 50 ans. Donc vous le chanterez par cœur et on va se débrouiller comme ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères, mes sœurs, nous avons chanté « Par toi, Seigneur Jésus, dans ce repas, nous serons unis à Dieu, notre Père. » Nous sommes réunis ici pour une heure de prière.
le temps d'un repas symbolique mais fraternel. Pour établir cette unité que nous chantons, commençons par porter ensemble devant Dieu les fardeaux et les joies des uns et des autres, de ceux et celles qui sont ici dans la chapelle ou qui nous suivent par Internet, et plus largement encore, tous ceux et celles qui nous sont proches, qui nous tiennent à cœur et aussi à toutes les intentions du monde. Prions ensemble quelques instants en silence. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le ciel, grande paix sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. À toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Sauveur des hommes, Jésus-Christ, écoute nos prières. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation.
Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Seigneur, mon secours et mon sauveur. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. De Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs
qui mènent leur combat en vous-même. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. L'annonce de la bonne nouvelle, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, il l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, en quelques lignes, cet évangile nous conduit au cœur du message de Jésus. Il récapitule tout son enseignement. Le début, l'annonce de la Passion, en fait c'est la deuxième des annonces qui jalonnent l'Évangile. Nous avons entendu la première annonce dimanche passé et notre frère Grégoire en a bien parlé. Je n'en parlerai donc plus et je me limiterai à ce qui est dit ensuite. Nous y voyons les disciples qui ne comprennent pas et ont peur d'interroger Jésus, mais qui discutent ferme à propos de leurs ambitions, forcément contradictoires. Qui est le plus grand ?
Et nous savons que Jésus leur a répondu clairement. Mais ici encore, on ne dit pas s'ils ont compris. Je crois même qu'ils ont toujours eu peur de comprendre concrètement. Et pourtant, nous voyons à travers les quatre évangiles combien Jésus s'est efforcé de se faire comprendre jusqu'au dernier jour en leur lavant les pieds, sans beaucoup de succès, semble-t-il. Les évangiles nous montrent en effet souvent les apôtres soucieux de gagner, d'avancer, de tirer profit de la situation. Comme par exemple l'apôtre Pierre qui demande encore, « Eh bien, nous qui avons suivi, qui t'avons suivi depuis le début, qu'en sera-t-il pour nous ?» Nous nous indignons, bien sûr, devant ce genre de phrase, mais nous devons reconnaître que les démarches religieuses ou spirituelles dans toutes les traditions sont souvent portées par une recherche de salut individuel, ou pour utiliser un langage actuel, par un souci de développement personnel. Les religions doivent toujours être converties. En tout cas, nous savons que Jésus a dû beaucoup insister pour ouvrir, convertir cette mentalité. Dans les quelques versets de l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons voir comment résumer ce qu'il a voulu dire. Il a d'abord beaucoup rappelé l'importance de se savoir le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est l'humilité, car l'humilité est le chemin. Encore faut-il bien comprendre ce qu'est cette humilité, ce chemin que saint Benoît propose, parce qu'il est aussi souvent parcouru de façon trop individuelle, comme une échelle de perfection personnelle. Or, j'ai eu la chance de rencontrer un jour à Rome, il doit y avoir 25 ans, Pierre Clavery, l'évêque d'Oran, un des 19 martyrs d'Algérie qui ont été déclarés bienheureux. C'était quelques mois avant son assassinat. C'était pour moi un contact bref, mais qui m'a fort marqué. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait de l'humilité, même si c'est assez différent de ce que dit la règle de saint Benoît. Il disait « L'humilité, c'est s'effacer en ouvrant la porte. » S'effacer, laisser toute la place à l'autre pour qu'il passe devant et aille son chemin. Devenir plus humble n'est pas un but, même si c'est peut-être la preuve d'une grande sainteté. Le but est de pouvoir mieux aider et servir les autres, de pouvoir vraiment les accueillir, précisément en leur laissant la place. Et de fait, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu ces deux maîtres mots, servir et accueillir. Il est d'abord beaucoup question de servir aux disciples qui ne cherchent qu'à devenir toujours plus importants, autonomes et maîtres de tout. Il propose exactement le contraire, devenir le serviteur de tous. Ailleurs, il précise, quand vous avez fait tout ce qui était ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs quelconques, nous avons fait seulement ce que nous devions faire. » Et encore, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Le service. Oui, mais pas n'importe quel service. Vous avez entendu que le texte de l'évangile de ce jour continue. Prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et après l'avoir embrassé, il leur dit « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. » Le service est évidemment essentiel,
mais il doit toujours être lié à un accueil, dans toute la mesure du possible. C'est bien de foncer tête baissée dans un service généreux, il faut quelquefois s'abaisser devant nos frères et sœurs jusqu'à la hauteur de leurs pieds quand on veut les laver. Mais il faut ensuite aussi relever la tête, lever les yeux vers eux parce qu'on les respecte et qu'on les aime. Le service n'est vraiment bon que quand il est adressé, quand il est fait en pensant à ceux qu'on sert. Sinon, quand il est fait seulement pour en être quitte ou uniquement pour un salaire, il risque d'être simplement servile, voire dégradant. Or, Jésus, qui est venu pour servir, a aussi beaucoup regardé avec respect tous ceux qu'il rencontrait. Les évangiles nous décrivent souvent sa façon de voir, d'admirer, de pardonner, d'aimer. Tout au long des récits, on note son attention aux personnes, et en particulier aux plus vulnérables, comme les pauvres et les malades, ou les plus insignifiants, comme les enfants, qui, paraît-il, en ce temps, étaient tout à fait insignifiants. À cet égard, l'épisode de Marthe et Marie est très éclairant. Marthe servait avec beaucoup de dévouement pour son bien-être. Mais en ce cas, Jésus préférait encore la manière dont Marie l'accueillait lui-même quand elle était là, assise à côté de lui, attentive. Servir, c'est donner, et c'est très bien. Mais accueillir, c'est recevoir. Et il faut toujours les deux, parce que la vie est un échange. Sinon, le don unilatéral peut être insignifiant ou seulement la réponse à une mauvaise conscience. Et alors, faire la charité, comme on dit, est souvent humiliant pour son bénéficiaire. Nous devrions toujours nous demander, quand nous donnons notre temps, notre service, notre sympathie, si c'est une aumône ou un échange. Une fois de plus apparaît, et c'est ma conclusion, il apparaît que c'est essentiellement la relation juste, respectueuse aux autres personnes qui est déterminante pour notre relation au Christ et pour notre relation à Dieu, celui qui l'a envoyé. N'ayons pas peur de comprendre cela, comme les apôtres qui ne voulaient pas entendre ce que Jésus essayait de leur dire. Mais prions plutôt les uns pour les autres, pour que nous développions encore cette capacité d'accueil mutuel très concrètement. Oui, au cœur de l'Évangile, il y a cet appel à simplement nous effacer pour laisser passer l'autre, pour ouvrir à l'autre et laisser venir ainsi Dieu chez nous en toute notre vie. Le Seigneur.
il y a les enfants conçus dans l'amour, attendus et accueillis avec tendresse. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces enfants merveilleux qui enchantent la vie du monde. Fais-les grandir pour notre espérance. Voici venir Dieu, laissons passer Dieu. Voici venir Dieu, laissons passer Dieu. Il y a les enfants conçus dans la violence, attendu dans le silence, reçu dans les larmes. Béni sois-tu, Seigneur, de graver leur nom sur la paume de tes mains, de les porter dans tes entrailles de père. Prends-leur la main sur les sentiers de leur aventure. Voici venir Dieu, laissons passer Dieu. Voici venir Dieu, laissons passer Dieu. Il y a les adultes au cœur d'enfants, les pauvres de cœur, les doux et les pacifiques. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ces témoins de ton royaume qui vient, pour ce vivant évangile des béatitudes. Entraîne-nous sur le chemin lumineux de ton Fils. Voici venir Dieu, laissons passer Dieu. Il y a les dures rivalités du pouvoir forcené, des puissances d'argent, des rancœurs insatiables. Béni sois-tu, Seigneur, pour le Sauveur que tu nous as envoyé. Jésus qui s'est fait volontairement le dernier, révélant ainsi que la grandeur de l'homme est de se faire l'humble serviteur de ses frères. Ne te lasse pas de libérer le monde de ses idoles. Voici venir Dieu, laissons passer Dieu. Prions encore le Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Amen. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la vie, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité.
avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Tu veux à toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, ô frère, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Benoît et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix.
Heureux des invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
nous chanterons. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dimanche prochain, nous serons peut-être un peu moins nombreux ici parmi les moines, parce que dans notre paroisse, qui est en fait Saint-Joseph de Blocry, il y a un jubilé, à savoir les 50 ans de sacerdoce du père Charles Delay. Et donc certains d'entre nous seront là-bas. Et donc c'est aussi l'occasion pour nous de prier aux intentions du père Charles. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu très aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.